nouvelle année a commencé et la première chose que j'ai décidé de faire était d'écrire des lettres à mes correspondants, mais pas seulement. J'ai ajouté une lettre pour une personne spéciale, la future moi. Je suis très familière avec l'idée d'écrire. Je m'étais déjà écrite des lettres, mais seulement à la moi du passé. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu quelque chose dans mes mains. Maintenant, c'est un pinceau. Mais il y a des années, je ne faisais qu'écrire. Je me sens très reconnaissante envers ma petite version de 11 ans qui a décidé de tenir un journal. Grâce à cette décision qui semblait si ordinaire à l'époque, je peux maintenant, 11 ans plus tard, relire ces pages avec émotion, en voyant mon évolution en tant que personne. Même si les premières pages sont écrites de manière très répétitive, comme le ferait un enfant de 11 ans, un jour, on arrive à un âge où on souhaite apprendre plus sur soi-même. Quand je lis ces pages, c'est comme être accompagnée par ma jeune version. C'est drôle que maintenant on dise « tenir un journal », parce qu'avant c'était « avoir un journal intime ». À l'époque, les gens pouvaient se moquer s'ils savaient que quelqu'un avait un journal intime. Donc c'est une bonne chose que maintenant ça a été normalisé. Ça a l'air plus safe d'en parler. Évidemment, à l'époque, je ne savais pas que c'était une bonne chose de tenir un journal. J'aimais juste écrire. Écrire a toujours été plus facile que parler pour moi, donc j'écrivais plutôt que de parler. Et ça m'aidait à me libérer des émotions que je ne comprenais pas. Je n'ai pas été très régulière, mais de 2012 à 2022, pour chaque année, il y a au moins une trace. Mon journal s'est terminé en 2022, et parce que je suis une personne dramatique, je ne pouvais pas juste m'arrêter là. Donc, j'ai peint une première de couverture et une quatrième de couverture qui résument ces 10 ans. Et j'ai même donné un titre et écrit une préface à ce journal, qui n'est évidemment que le tome 1. Et je ferai la même chose pour les prochains. Tenir un journal peut être plus qu'écrire. Parfois, au lieu d'écrire, je peins pour illustrer des mots. Si vous n'aimez pas dessiner, vous pouvez y mettre des photos. Et voilà que maintenant j'écris pour la future moi, ma toute première lettre pour la future moi. C'était plus facile pour moi d'écrire à ma version passée que future, parce que ma version passée a existé, tandis que ma version future, je ne peux rien voir, seulement imaginer. La lettre est scellée et à lire le dernier jour de cette année, si Dieu me le permet. Écrire les choses dont tu es reconnaissant peut aider à améliorer ton humeur. J'avais regardé une vidéo qui recommandait d'écrire toutes les choses envers lesquelles tu as ressenti de la gratitude dans la journée, juste avant de dormir. De cette manière, tu t'endors reconnaissant, satisfait et un peu plus heureux. Expérience testée et approuvée, mais j'ai un problème avec la constance et je ne le fais pas autant de fois que je le voudrais. Vous pouvez aussi tout simplement dire les choses dont vous êtes reconnaissant à voix haute, juste avant de dormir. Mais personnellement, je préfère écrire parce que je ressens plus fort quand j'écris. Je sais pas si c'est parce que je suis une personne visuelle et le fait de mettre des mots sur ce que je ressens et de voir le mot amplifie l'émotion 100 fois plus. J'ai donc trouvé une idée un peu plus originale qui me donnerait envie de le faire un peu plus souvent. Faire une grosse lettre bien décorée, la coller au mur et y glisser des petits mots pour exprimer ma reconnaissance. Le fait de mettre un papier à l'intérieur procure de la gratification, donc ça donne envie de le faire plus souvent. Je sais que ça aurait été beaucoup plus simple de juste prendre un cahier et d'écrire, mais quand j'ai l'occasion d'être dramatique, je la saisis. Et c'est un processus à répéter chaque mois. J'aurais voulu que la lettre soit assez grande pour toute l'année, mais ce n'est pas le cas. Assez parlé de lettres maintenant.
Depuis un très long moment, j'avais envie de peindre plus de fleurs. Il y a 3 ans, j'avais peint un paysage avec des fleurs, et ensuite j'ai essayé de peindre une fleur seule. Dans mes souvenirs, peindre cette fleur, c'était comme être dans un labyrinthe. Parce que quand on peint une fleur, c'est généralement une seule couleur avec des tons différents, donc tu t'en mêles très vite les pinceaux. Mais au moins, on devient meilleur dans l'analyse des couleurs. Imaginez si je peignais seulement des fleurs jaunes pendant 1 an, par exemple. À la fin de l'année, la couleur jaune n'aurait plus de secret pour moi. Donc aujourd'hui, je reteste avec de l'aquarelle. Si la peinture rend bien, je la refais en plus grande sur toile à la peinture à l'huile. Là, c'est qu'un essai pour avoir une visualisation de ce que je souhaite. Après avoir terminé le croquis, je pourrais pas trop expliquer ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai tourné la tête vers mon mur et il me semblait trop rempli tout d'un coup. 1 heure avant, il n'y avait aucun problème. Donc j'ai essayé de faire quelques petits changements, mais je me suis épuisée pour rien parce qu'au final, il n'y a que mon mur qui a changé. Je crois qu'il est temps pour lui d'avoir de nouvelles peintures. Lorsque j'écris ou quand je peins, j'imagine un lien qui lie mon cœur à l'encre et à la peinture. C'est le cœur et l'esprit qui s'expriment à travers les couleurs. On peut s'exprimer oralement, mais on peut aussi s'exprimer dans le silence, avec des mots écrits sur papier ou à travers les formes et les couleurs d'une toile. Et tout ce que vous avez à faire, c'est regarder, lire et ressentir. L'art est une forme d'expression. Peindre cette aquarelle de fleurs n'était pas facile. J'ai dû me concentrer et filmer peu pour être sûre de ce que je faisais. Le but n'était pas que ce soit parfait, parce que si on attend la perfection, on n'agira jamais. Et pour moi, ce n'est pas une coïncidence que c'est maintenant que j'arrive à m'asseoir et peindre ces fleurs. Il y avait tant de fois où j'avais voulu en peindre, mais ça arrive aujourd'hui. Je prends ça comme un signe que je suis arrivée dans ma période de floraison. Lorsqu'une fleur s'épanouit, on appelle ça la floraison. Et beaucoup d'entre nous, ça m'en plein dedans.